Ces instruments sont des souvenirs, fatigués et vieux, autant que je suis âgé moi-même. Ils ne sont plus pour moi que la trace d'un passé dont je me distrais, morceaux de rêve, lambeaux de chimère. Je me rappelle que ces outils me semblaient élaborés, précieux, car il y a des années de cela. Alors que j'étais marchand prospère, un homme à l'allure singulière était venu à ma boutique et m'avait apporté la carte. C'était un parchemin d'une matière dont je ne pouvais déterminer ni la substance ni la provenance. J'ai dû convenir avec l'inconnu qu'elle n'était originaire d'aucune région familière des marchands de merveilles étrangères. Cette carte, m'assurait-il, était animée. Elle se modifiait au cours des déplacements, reflétant comme un miroir la région où l'on se trouvait. Aujourd'hui, le royaume, demain les montagnes, plus tard des plaines, la mer, d'autres contrées dont nul ne connaissait l'existence. Je restais déconcerté et demandais sans conviction à conserver l'objet pour quelque temps. Le surlendemain, je devais me déplacer et emporter avec moi la fameuse carte. L'étranger n'avait pas menti. Des marques apparaissaient à sa surface et, plus stupéfiant encore, les signes gravés se métamorphosaient au fil du déplacement. Avec une ordonnance et une logique, ils étaient assurément les reflets dessinés des contrées que je traversais. L'étranger guettait mon retour. Il me céda l'objet magnifique contre une forte somme que j'estimais bien inférieure à sa valeur. Je l'interrogeai sur la provenance de l'instrument. Tout au plus fit-il allusion aux contrées qui s'étendent au-delà des mers méridionales et où règne l'été perpétuel. C'est dans ces circonstances que je présentai la carte à notre roi et obtenait de sa majesté les créances qui permettraient pour la magnificence de son royaume et la gloire de Dieu de monter une expédition afin de trouver le pays où avaient été conçus si prodigieux outils. Nous prîmes la mer, le navire était robuste et je possédais les habitudes des marins ayant beaucoup voyagé pour mon commerce. Mon intention était d'explorer méticuleusement la zone australe à laquelle le voyageur avait fait allusion. La tâche semblait impossible, mais il fallait connaître le secret de la carte. Les mers étaient inconnues, les terres l'étaient plus encore, peuplées d'animaux monstrueux et d'hommes difformes. Parfois, le contact était facile avec ces êtres étranges. L'équipage superstitieux considérait d'un œil hostile cette entreprise. Confier son sort à un parchemin maléfique doté de pouvoirs mystérieux les épouvantait. Nous voguions au sein de mondes singuliers et ignorés des nôtres. Nos yeux n'en pouvaient plus de nouveautés. Plusieurs fois, nous abordâmes des côtes inexplorées. Les rois nous invitaient à leur table et nous racontions notre périple. J'étais heureux, je crois, à cette époque. L'équipage alors était mien, et les vins épicés, les nourritures et les bras souples des femmes aux parures étranges sont de merveilleux remèdes à la mélancolie et à la crainte. Parfois, les tribus étaient au contraire violemment inhospitalières et nous devions battre en retrait avant que d'être tués ou dévorés. Nous ne choisissions pas nos escales. Nous nous laissions guider par la carte. Privés de connaissance de ces régions,
Elle était la seule à nous épauler dans notre quête. Puis, pendant des semaines, nous ne sûmes comment nous diriger. La carte soustrayait les informations dont nous avions besoin. Plus nous progressions, et plus elle ne laissait lire de ses graffitis que les côtes proches. Le reste de sa surface était flou, imprécis, avec de larges zones inachevées qui se complétaient paresseusement au fil de notre navigation. Et nous n'osions nous aventurer hors des limites établies. Maintenant, je le sais, elle apprenait. Je réalisais cela un jour et le cachais soigneusement à l'équipage. L'Odyssée se poursuivit ainsi de longs jours, d'interminables mois, pendant lesquels le moral décrut. Souvent, je me suis dit que c'était les vents qui étaient responsables de la folie qui gagne les hommes de la mer. Un jour, ce que je redoutais arriva. L'équipage perdit confiance. Les marins, bien sûr, avaient conscience que la route que nous suivions était désordonnée. J'allais me résigner à rebrousser chemin, avant qu'une mutinerie n'éclate, quand notre route devint soudainement rectiligne. Je réalisais que la carte nous menait vers le territoire de ses créateurs. La curiosité l'emporta sur la peur. L'enthousiasme revint. De nouveau, nous faisions corps, l'équipage et moi-même, devant l'inconnu, avec exaltation. Je suis homme de connaissance désormais. Depuis 20 ans, je vis dans la bibliothèque, que je ne peux quitter à ma guise car liée par le secret. J'ai lu maints ouvrages relatant l'histoire du peuple qui conçut ces cartes vivantes et bien d'autres merveilles aussi. Le dédommagement de l'exil a dépassé toutes mes espérances. Et maintenant, mon repos touche à sa fin. Comme d'autres voyageurs avant moi, va, j'espère, venir mon tour d'endosser le rôle du messager, de l'étranger, tel celui qui vint chez moi m'apporter une carte vierge. Ah, les cartes, ce sont des manuscrits animés qui se nourrissent de connaissances lors des voyages. Puis ils reviennent dans leur pays d'origine où ils avaient été expédiés vers des hommes prêts à se lancer dans un voyage pour l'inconnu. Les cartes, à ce moment, ne sont pas destinées à être des outils pour le voyageur, mais le voyageur un serviteur pour elle. Devant la sculpture du monde, je revis mon voyage. J'en rêve d'autres aussi. Le rêve est un voyage immobile. Et souvent, je m'interroge. Probablement, cette réclusion qui me fait appréhender le monde par les écrits n'est-elle pas étrangère à mon obsession? Je me dis, de plus en plus souvent, qu'une réalité ignorée est une réalité inexistante. Et je me demande aussi si les côtes que nous avions longées de notre fier navire, il y a de cela 20 ans, ne naissaient pas des reliefs qui apparaissaient simultanément sur le parchemin. En d'autres termes, si la carte ne générait pas le monde plutôt que d'en témoigner l'existence.